Le Marvel Artwork Immortel Hulk numéro 4 s'est vendu pour 4675 gemmes. Pas d'artworks pour cette semaine. Apple augmente les prix d'achat sur le territoire euro, ce qui conduit malheureusement à des gemmes plus chères sur la mobile app de VV. Alfred Kahn, directeur des licences VV, a fait mention du VVverse dans son message de remerciement à la communauté. Serait-ce un signe annonciateur ? Oui, car la démo est prévue le 19 novembre. Facebook vient d'annoncer son dernier produit, Meta Quest Pro, qui possède à la fois des capacités VR et AR. Les alertes sur EconomyWiki avancent. Vous pouvez faire un clic droit sur le graphique pour en créer une. VV France est aussi sur Discord. News, tips et concours à prévoir. Soyez dans les premiers à bâtir cet endroit. Lien dans la description. Docteur Profi a récemment dîné avec l'équipe VV, il n'a qu'une chose à dire sur ça, l'année qui arrive va être géniale. Alfred Kahn, le chef des licences chez VV, a fait une apparition à la New York Comic Con vêtu d'une veste Pokémon. La société Target partage le stand de Marvel et VV à la New York Comic Con. C'est le cinquième plus gros distributeur général des États-Unis, la communauté imagine que des collectibles soient vendus par leur intermédiaire et qu'une version digitale arrive sur VV. VV sera à la NFT Fest Australia qui se tient le 23 et 24 novembre. Merci d'avoir checké la vidéo. Passez un bon week-end, et si vous avez envie de plus de contenu, retrouvez-moi sur vvfrance.fr. À bientôt.